Ce Martin-là, c'est pas un type qu'on cherche depuis des années pour l'affaire Soramant? Vous pensez vraiment retrouver les quatre bouts de bois de ce Martin? Et ce Martin, un veuf. Oui, j'ai jamais vu de femme là-dedans. Police? J'espère que c'est pas encore pour l'affaire Martin. La police recommence à chercher Martin. Il fallait s'y attendre. Tu diras à Greg que tant que ces flics n'ont rien trouvé de capital, il ne faut absolument pas bouger. Pourquoi Martin se cache-t-il? A-t-il vraiment réussi à brouiller toutes les pistes? Où ils sont? Mais c'était là-haut, chez la folle. Maintenant, ils sont là, au bistrot d'à côté. Ici s'arrête la piste des Martin. C'est leur dernier domicile connu. Dernier domicile connu. Un film de José Giovanni. Qui retrouvera Martin? La police ou les tueurs? Tu ne dois agir qu'en cas d'urgence. Il pense que la police n'a plus le temps. Il est vrai que 4 jours, c'est très court. C'est très long aussi. Qu'est-ce que tu espères? Trouver Martin avant 5 jours? Quelle chance a-t-il dans cette course contre la montre? Ça y est. J'ai le tuyau. Je cherche une ordonnance. Spécialité que prendrait la petite Martin. De là, ils iront chez le toubib. Pas mal. Fallait y penser. On m'a même pris ma cravate! On m'aurait pas mis mes lancers si j'avais des lancers! C'est elle. La salope. Lino Ventura. Et Marlène Jobert, réunis pour la première fois dans des rôles sans concession. J'ai vu une Légion d'honneur. Vous ne la portez pas? Jamais? On vous la donne pour une chose et on vous fusille pour la même chose, alors. Ah, parce qu'il vous faut des ordres pour protéger les gens? C'est ça, la police. C'est ignoble. Arrivé au même but, les méthodes sont différentes. Un homme effacé, presque timide. Mais l'enfant est inoubliable. Dites-moi, est-ce que la petite avait un chat blanc? Dernier domicile connu. Un document exceptionnel. Les choses se tassent, vous quittez la brigade criminelle et vous êtes muté dans un commissariat. Dernier domicile connu. Un film de José Giovanni avec Lino Ventura et Marlène Jobert. Prochainement sur cet écran.